For me, improvisation is language, and as a language, it develops within the community, just like a dialect. Avec Kenny Werner, qui est un pianiste d'ici en fait, Manhattan, que j'ai connu à la New School et qui faisait des masterclass sur Effortless Mastery. C'était comment jouer de son instrument en fait sans effort. When I heard Fabienne, it was I immediately noticed the tone and the bowing and the fact that he stayed very tonal, that he would always come back often to maybe a minor chord. And that's something that I heard immediately, which was very different from a lot of the people I work with right now. And so I try to adjust to that and use that in the way I improvise, but it's different. Now I would like to talk to him and see what his influences are and where he comes from. Now that I played with him, I think I have a better idea of what questions I want to ask him. Quand on parlait de Kenny Werner qui avait développé Effortless Mastery, et si on revient à la religion zen, le lâcher prise du mental pour arriver à l'éveil, c'est-à-dire à la pure perception et sensation du moment présent. Le vrai challenge quand tu fais de la musique improvisée, c'est d'être totalement à poil et de prendre l'énergie qui est là. Traverse la matière, qu'elle puisse prendre forme matériellement. Ouais. À travers un geste, à travers un art, à travers une réalisation. Thank you.
j'ai pas forcément envie qu'on m'explique tout, j'ai aussi envie de... C'est pour ça que j'aime bien les choses abstraites, c'est que tu peux... Suivant dans quel état tu vois les choses, ou tu les prends, tu vas ressentir, voilà, tu vas juste ressentir, t'es juste là, t'as quelqu'un qui joue des choses et tu ressens.